Yo tout le monde, c'est Soul sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire du coup une toute nouvelle épreuve du coup de Touring Car Seattle. Eh oui, c'est la première fois qu'on se retrouve pour se faire une épreuve de Touring Car à Seattle. Et oui, parce que Seattle, on n'a jamais eu d'épreuve jusqu'à présent dans Seattle. C'est bien la première fois qu'on a une épreuve. Et j'espère honnêtement qu'ils rajouteront des épreuves dans des endroits comme les villes. On n'a pas. Vous savez, le Nord-Ouest Pacifique a peut-être la réputation d'être gris et pluvieux. Mais lorsque le soleil se montre, c'est l'une des plus belles régions du pays. Vous avez le détroit de Puget, les montagnes et une ville qui déborde de vie. Alors passons à la vitesse supérieure et découvrons Seattle. Here we are now, entertain us. Eh oui, c'est une toute nouvelle épreuve du coup qui est sortie du coup mercredi. Mais bon, comme j'ai dit, moi ces épreuves je les fais sortir que le lundi et que les samedis. Donc forcément, cette épreuve du coup sortira lundi et l'autre sortira le lundi. Le samedi 8. Voilà. Donc celle-ci, l'EU sortira le 3 mars. Le 3 avril. Le lundi 3 avril et ensuite l'autre vidéo sortira le samedi. 8 ans avril. Et en parlant du mois d'avril, et ben c'est le mois de mon anniversaire. Voilà. Donc c'est-à-dire que le 12 avril, et ben ça sera mon anniversaire. Donc si vous voulez me souhaiter mon anniversaire, et ben ça sera le mercredi 12. Voilà. Je ne sais pas exactement ce que je ferai comme vidéo mercredi 12. Hein. Construite pour l'exposition universelle de Seattle en 1962. Il paraît que son contour a été griffonné sur une serviette de cocktail. Aujourd'hui, c'est la forme la plus reconnaissable de la ville. Je pense pas que ça changera grand chose hein, de tous les mercredis. Hein. Je pense que le mercredi, ça sera une semaine. Ça sera un mercredi normal, hein, le 12. Hein. Mais j'ai envie de vous dire. Hein. Peut-être pas forcément, parce qu'il y aura un tout nouveau let's play qui va commencer le mercredi 12 avril. Hein. Et oui, le mercredi 12 avril, vous aurez un tout nouveau let's play. Alors, c'est pas vraiment un tout nouveau, mais bon. Autre création du temps de l'exposition universelle de 1962. Moi je disais ça sera pas vraiment un vrai nouveau let's play hein, parce que c'est un let's play que j'ai déjà fait mais qui date de longtemps. Dragon Quest Builders, hein. Là, ça fait un moment que j'en parle des fois, ben, ça sera le mercredi 12 avril donc, lors de mon anniversaire. Et ben je referai Dragon Quest. Après Dragon Quest, je sais pas encore ce qu'il y aura comme let's play suivi Dragon Quest. Potentiellement un vrai et nouveau voilà jeu. Une autre classique de l'USST dans le sac. La prochaine étape est la ville de cœur de nombreuses personnes, puisque le circuit nous mène à San Francisco. Alors du coup, je vais vous montrer l'emplacement de cette toute nouvelle épreuve. Donc l'épreuve, du coup, se situe à Seattle, comme le nom de cette épreuve indique. Voilà, et comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on a une épreuve dans Seattle. C'est vraiment vrai. Hein. Donc voici l'emplacement donc de cette toute nouvelle épreuve, hein, qui est du coup ici. Voilà. Donc c'est comme j'ai dit. Les structures par contre seront tout le temps les mêmes. Hein. Les structures seront tout le temps les mêmes. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir des épreuves dans différentes catégories, surtout le Touring Car. Pour le moment, on n'a que des épreuves de Touring Car. Hein. Mais la prochaine mise à jour sera consacrée à l'Alpha Grand Prix. Et donc, ben, ça sera pas mal. Hein. Donc la prochaine fois, comme je vous ai dit, hein, on se retrouvera le samedi 8 avril pour se faire cette épreuve. Donc au samedi 8 avril, c'était sous les 100 trophées.